Et bonjour à tous et bienvenue, épisode 14 de My Colony. Donc on va continuer. Donc voilà, donc il y a deux trois petites choses qui ont évolué. Premièrement, j'ai fait excusez-moi pour la petite toux. J'ai fait le consulat niveau 5 qui ne donne apparemment aucune option supplémentaire par rapport à ce qu'on a déjà vu. J'ai remis ma politique de travail en normal pour le moment. Et j'ai augmenté le living wage à 25 $ par cycle. Donc voilà. Donc ça, c'était pour cette administration-là. J'ai refait des micro-incinérateurs pour essayer de d'endiguer le surplus de. Et parfois, quand je fais ça, il recalcule. Et j'ai mes. Parce que là, je commence à avoir vraiment des problèmes de trash, enfin de. Voilà, de déchets. Ici, rien de nouveau. Ici, donc finalement, les usines de robots, je les ai refaites ici. Parce que j'ai besoin de robots. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait au total 5 aluminium générateurs, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, je suis toujours en déficit, donc il va falloir que j'en fasse plus. Au niveau des banques, au niveau de tout ça, ça n'a pas changé. Ici, je crois que vous l'avez pas vu. J'ai refait un réservoir d'eau, ainsi qu'un réservoir de nourriture. Ici, j'ai augmenté mon nombre de centrales à hydrogène. J'en ai augmenté le nombre. Et j'ai refait quelques hatcheries. Ici, j'ai refait pousser une forêt que je suis en train de couper. Donc voilà. Ensuite, ici, oui, ici, ça a évolué. Donc, j'ai fait évoluer tous mes résidentiels complexes en largeur, ouais, résidentiels complexes, qui peuvent chacun accueillir 3000 personnes. Donc, voilà. Donc, je peux accueillir 150 000 personnes. Donc, c'est pas un problème. Derrière, alors, on la voit mal, mais j'ai fait une tour, en fait, qui est un. Hop, voilà. Qui est un résidentiel tower. Donc, qui est en fait l'évolution des résidences voilà de voilà. J'ai fait ça pour encore diversifier le nombre de d'habitations. On a toujours les luxuries ici. Ici, on a les lofts. Peut-être que vous n'avez pas vu la deuxième rangée de lofts. Je suis pas sûr. Ici, ouais, ces robots-là, je vais peut-être les détruire. C'est pour y mettre autre chose. Je sais pas encore. J'ai fait évoluer mes Synthetic Oil Labs en Advanced Synthetic Lab. Alors, c'est bien parce que ça me produit du pétrole. L'inconvénient, c'est que quand ça. Voilà, c'est que ça consomme des robots. Et donc, et bah, quand je suis pas à fond en pétrole, ben bah, je consomme des robots, quoi. Donc pour le moment, bah voilà, je suis obligé de garder mon pétrole. J'ai enlevé tous les tanks qu'il y avait là de pétrole. Parce que voilà, j'en avais plus vraiment l'utilité. Ensuite, ici, pareil, mes Plastic Factory, je les ai fait évoluer en Advanced Plastic Factory. Donc voilà, ça, pareil, ça me consomme des robots. Alors que voilà, bon, bah, résultat pour le moment, bah, je vais laisser le plastique augmenter. Ensuite, donc j'ai remis l'immigration en place, mais je crois qu'on a des problèmes de chômage là actuellement. Voilà, on est reparti il n'y a pas longtemps en. Homeless, d'accord. Alors oui, quand j'ai fait évidemment l'évolution des résidences, évidemment, je me suis retrouvé avec des sans-abri le temps des constructions. Voilà, voilà, c'est pas ce que je voulais. Voilà, j'atteins les 15% de chômage là, ça va pas le faire. Et au niveau, voilà, de Bicolon, bah ça se.
Le problème, c'est qu'avec la hausse de l'immigration, là, bah, la moyenne a diminué, en fait. Parce que bah, les nouveaux arrivants sont pas spécialement riches, quoi. Mais c'est juste ça. Au niveau de l'approbation, ça chute. Donc il va falloir déjà que je mette fin à... Comment que je coupe l'immigration. Donc on va commencer par ça, on va couper l'immigration. Hop, 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 hop. Immigration bloquée. Et on va couper les cloneuses. Voilà. Comme ça, on est bien. Alors après, j'ai fait... Ouais, là, vous l'avez vu, j'ai fait deux hors zippers supplémentaires. Et... Ah oui, vous l'avez peut-être pas... Enfin, voilà, je vous l'avais pas montré. Mais alors, je me suis un petit peu penché sur l'hélium. Donc, je produis de l'hélium qui se revend assez cher. Donc, voilà, ça peut être une source de revenus. Ici, ce sont des tanks à hélium. Donc, pour stocker l'hélium. Et j'ai fait ça, des obsidian furnaces qui me permettent de produire de l'obsidienne, qu'on voit très mal ici, mais c'est ça, bon, je sais pas encore à quoi ça sert, j'ai pas vu de bâtiments qui ont demandé pour la construction, mais voilà, j'en produis comme ça si jamais il y a besoin. Je peux pas en vendre non plus pour le moment, je l'ai pas dans mon marché. Donc voilà, donc qu'est-ce qui me reste à faire évoluer éventuellement? C'est les cloning suites, suite shop, je peux les faire évoluer quand j'aurai suffisamment d'aluminium et suffisamment de vêtements. Et je peux aussi faire évoluer mes microchip factory, je peux les faire évoluer, mais ça me consomme des aliens artefacts. Ce qui n'est pas top. Donc voilà. On a fait le tour, je pense. Alors, je suis embêté parce que j'ai 100 000 de trash. On va juste gérer ça rapidement parce que ça m'emmerde. Alors, quand j'ai un surplus de déchets, ce que je fais, c'est ça. Voilà. Et donc en fait ça va me créer une décharge où bah, voilà, je me débarrasse du trash au moins. Alors donc on va faire aujourd'hui. J'ai suffisamment d'alien artefacts pour me lancer dans une de ces technologies. Sachant que, à mon avis, ce qui est le plus intéressant, ce serait ça. Parce que c'est ce qui nous débloque le plus de choses. Allez, on va voir ça. Ok, donc on va voir les technologies aliens. Voilà, on a beaucoup plus de choses qui sont apparues. Alors, on va attendre juste que les icônes chargent. Ok, donc l'enrichissement, ça fait quoi? Pas trop, et ça c'est du 2x2, donc c'est pas, donc c'est des, donc ça remplace pas ça. Par contre, si, donc ça peut remplacer, par contre ça me coûte masse en alien artefacts. Alors j'ai rien qui peut me produire des alien artefacts plus que ça. Les quantum distilleries, ouais, les quantum oil tank, ok, pour stocker plus d'oil. Les Quantum Warehouse pour stocker plus de... Ouais, mais tout ça, ça me coûte super cher en alien artefact, en fait. Et j'ai les aliens... Ah ouais, d'accord, ok, ça me coûte 1000... Par contre, ça me produit combien, ça? D'accord, ça me consomme de... Ok, ça me crée de l'énergie à partir de l'hélium 3. Par contre, ah si si si, 45 000, 45 000, d'accord, ok. D'accord, ok.
Alors que si je regarde... Ouais, les hydrogène réacteurs me produisent que 5000. Ah oui, puis j'ai ça aussi. Qui compare à cela? Ça, c'est 270, cela, c'est 200, d'accord. Bah, d'accord, donc cela, par contre, je peux les faire évoluer assez facilement. Ça me coûte pas si cher que ça. Si là, je décidais de tout ça. Je peux tous les upgrader si j'achète de l'aluminium. Je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va faire ça. Ou alors, attendez, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans les autres bâtiments, hein. Donc, ok. Donc après, donc sinon, donc je peux faire évoluer les tanks, mais voilà, ça me consomme des. Ouais, d'accord, ça me consomme masse. Bon, c'est si jamais j'ai besoin de plus de stock au niveau bouffe, tout ça, mais ça me sert essentiellement pour le commerce, et pour le moins le commerce de tout ça, c'est un petit peu mort. Je peux également faire évoluer ces trucs-là. Si je les fais tous évoluer, ça me coûte combien? De toute façon, ce qui me manque, c'est ça. D'accord, ça me coûte 1 million de steel. Et 250 000 en microchip. Je les ai pas, mais voilà, je suis pas mal en microchip. Bon, bah ça va prendre énormément de temps en fait, parce que c'est surtout les trucs d'aliens qui me manquent. Donc à la limite, il va falloir que je me fasse plus de ces. Plus d'archéologie que d'X-Lite. Mais j'ai rien pour pouvoir en chercher plus. Y a que ça pour ressources. Dans ressources. D'accord aussi, d'accord, je peux aussi faire évoluer mes hors raffinerie pour produire plus de style également. Ok. Alors, donc résultat, il va me falloir plus de. Bon. Bah, je pense que pour le moment, tout ça, je vais attendre un petit peu, mais ce sont que des évolutions de bâtiments, de toute façon. Et donc, par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être. Hop. Alors, 5 c'est peut-être trop. Non, attendez, hop. Alors, c'est un peu mal foutu comme système, ça. Attendez, je vais construire l'unité, on va bien voir. Hop. Donc, 1, 2, ça passe. 3, ça passe. Un quatrième, ça passerait pas. Donc, je vais me créer 3 aluminium générateurs de plus. Et on va également faire évoluer nos routes, car j'ai la possibilité de faire évoluer nos Ardennes Pavement. Alors ça me coûte juste un petit peu, voilà, de steel, du charbon, de la régolithe et du oil. Et ça me coûte que 10 000 de chaque et puis 5 000 de steel. Donc ça, on va tout upgrader. Alors je sais pas qui est chargé d'upgrader, mais on va pas tarder à le savoir. Alors, sauf qu'il est possible que ce soit. Mes avant-ced. Ouais, qui sont en train. Ouais, donc ce sont mes avant-ced qui sont. Mais le problème, c'est que mes avant-ced, ils sont en train de. Là, mes avant-ced builder. Oula, ça rame pas mal, hein. Ok, donc. Bon, donc ça, on va utiliser un petit stratagème là. On va. Ouais, parce que le problème, c'est qu'ils vont se remettre là-dessus. Or, je veux que ce soit que mes greens qui s'occupent de. Ah, on va juste créer un petit pavement ici en plus. Confirme. Et on va l'envoyer. On va les envoyer.
problème, c'est qu'ils vont se mettre sur les... Ouais, voilà, le problème, c'est qu'ils vont se mettre sur les... Sur les trash, et que... Bah, ça, c'est un petit peu mal géré, c'est un petit peu con, mais c'est pas grave. Bon. Donc ça, on va laisser évoluer nos routes. Donc ça, voilà. Ici, donc, on va avoir nos bâtiments qui sont en train d'être créés par les robots d'aliens. Et malheureusement, ah, si, il y a, non, oui, 3000. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'intelligence artificielle, là. Apparemment, ça débloque de nouvelles choses après. Oh, la transcendance. Tiens donc, tu m'en diras tant. Eh ben voilà. Ok, il me faut ça. Et donc, il me faut 3000 d'aliens. Donc j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il va falloir que je construise plus de... De ces trucs. Alors attendez, on va juste hop, s'éloigner. Et on va trouver un... je voudrais m'éloigner davantage. Voilà. On va trouver un endroit où vraiment on peut créer une large zone de ces trucs-là. On peut éventuellement partir par là, mais par là j'avais envie de faire évoluer plutôt mes farm trees, parce que le bois, je suis obligé de gérer avec une forêt que je fais des faits et ça me pompe les FPS. Si je fais par là. Remarque, je peux les faire par là, éventuellement. Ou je continue dans la foulée, on va prendre plutôt par là. Écoutez, on va aller les créer là-bas. On va les créer là-bas. En périphérie de la carte. Voilà. On va voir combien on peut en créer. On va se mettre en mode comme ça. Le jeu galère vraiment, vraiment de plus en plus par contre. Ça, c'est un petit peu inquiétant. Alors, qu'est-ce qui... Hop. Je peux en créer 5 de plus. Ah, l'aluminium manque. Mais l'aluminium, je vais en racheter. 8. Et là, l'acier commence à manquer. Donc, je peux en créer 8. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. Hop. Mince. C'est mal foutu quand ça commence à ramer. C'est moins fluide. Enfin, oui, évidemment, c'est le principe de quand ça rame. Donc ça m'en fait 5. Ça m'en fait 10. Confirme. L'aluminium, ça va arriver. Ça, c'est pas un problème. Et... non, pardon. Le steel, donc l'acier, ça va arriver. Ça, c'est pas trop un problème. Par contre, le reste... voilà. Alors, par contre, je sens que ce que je vais faire... Ouais, quoi qu'il y a eux qui continuent à... Alors, c'est une route qui est moins belle, mais qui est plus performante. Donc, voilà. Donc, on a donc nos routes qui sont en train d'être créées par quelques... Par quelques Advanced. Donc ça, on va les laisser faire. Et je voulais quoi? Ouais, je voulais racheter un petit peu d'aluminium quand même. Hop, on va apporter de l'aluminium.
Voilà, j'ai ramené 20 000 d'aluminium. On va voir ce que ça. Je pense que c'est. Non, ce sera pas suffisant, mais c'est déjà ça. Ah oui, sauf que ce sont mes Advanced aussi qui sont censés créer ça. Fait chier ça. Hé. On va tous les envoyer là-bas. Donc à créer. Non, c'est pas. C'est pas eux qui créent ça. C'est qui crée les. C'est quel robot qui crée ça? C'est les gros robots là, bah ils doivent être en route, mais je sais pas, ils ont dû se paumer ou. Le problème, c'est que vu qu'il n'y a plus de route, à mon avis, ils doivent être très lents à arriver, et vu que le rendu bug un petit peu, ils ont pas l'air d'être là quoi. Alors en toute logique, ils sont où? Ah oui, parce qu'en toute logique. Je sais où ils sont. Ben voilà, c'est pas eux qui sont censés créer. Ben si, c'est ça. Donc je sais pas pourquoi ils sont bloqués là. Venez là. Voilà, mes mégabots. Je sais pas pourquoi, ils ont bugué là-bas, donc ce que je vous demande, c'est d'aller construire ça. Voilà, on va y arriver. Donc là, j'ai mes robots, enfin j'ai mes Advanced machines là qui sont en train de mettre à jour les routes. Il y a encore beaucoup de choses quand même dans le jeu hein, qui sont pas top top. Par exemple, ce serait cool, c'est quand on upgrade un bâtiment ou upgrade la route par exemple, c'est que bah, là où on construit la route en fait, bah, c'est en travaux certes, mais que les anciennes routes aient toujours leur effet en fait. Ça serait assez pratique. Mais bon. Je regarde un petit peu où sont mes trash. Bon, voilà, ça m'évacue le trop plein de. De déchets, même si là, je galère même à les évacuer, là, résultat. Bon. Mes robots, je sais pas où ils sont passés, là. Ouais, en plus, d'accord, ok. Le positionnement où ils sont, c'était le positionnement où ils étaient il y a. Au départ.
Donc ils sont en route, mais je sais pas où. J'ai pas le jeu à l'heure de les avoir paumés, mais si, c'est bon. Comment ils pointent toujours leur lieu de départ, alors je sais pas trop. Je sais pas trop où ils sont là. Et évidemment, vu que j'ai détruit les routes, ils sont plus lents dans leur travail aussi. Voilà, donc on est là-dessus pour le moment. On est en train de... Bon, je vais faire rapidement, c'est les nouveaux puits là. Ah oui, mais ça va me demander de l'acier, et de l'acier j'en ai besoin. Donc, j'ai du stock en clé, donc c'est pas trop un problème. J'ai du stock en clé pour me faire de la poterie, et de toute façon, ça me fait que de la poterie. Donc c'est pas forcément utile. Enfin, c'est... La poterie me sert à générer de l'argent. Ah, alors, vous en êtes où? Ok, bon bah ça va prendre du temps. L'avantage aussi, c'est que les archéologiques d'Ixite, là, ça va augmenter mon... Enfin, ça va diminuer mon chômage. Parce que ça va embaucher du monde. Donc ça c'est plutôt cool. On va voir ce qu'on a d'autre en... Alors ça éventuellement je peux le prendre, mais ça va me débloquer que le Capitole. Et le Capitole je ne peux l'avoir que quand je serai... Quand j'aurai déclaré mon indépendance. Donc bon en soi voilà j'ai les points de recherche pour. On va juste le rechercher parce que voilà au moins on sait qu'on l'a. Mais il ne sera utile que si je déclare... Mon indépendance. Par contre, ça me débloque autre chose. Un théâtre politique. Le théâtre politique, c'est le hall des congrès. Pareil, j'ai les moyens pour, hein. Honnêtement, j'ai... Écoutez, on va débloquer un maximum de technologies. Quoi, c'est tout? Ok. Bon, bah apparemment, tout ce qui est politique, c'est bon, je l'ai débloqué. Donc, on a éventuellement ça aussi, le hall des congrès. On va voir un petit peu ce que ça coûte. Après, ce qu'il me faut, ben voilà, c'est des artefacts aliens. Et donc ça, ben il faut que je fasse de l'économie pour éventuellement en acheter sur le marché, mais c'est pas facile. Enfin, faut atteindre les 70 millions. Donc en gros, en fait, bah les 100 millions, hein, pour pouvoir vraiment en acheter... Enfin, c'est pour en acheter 10 000. Après, sinon, faut que je recrée un truc pour en importer 1 000, mais... Mais c'est chiant. Alors... Government. Donc, oui, il y a toujours l'investissement en banque également que j'ai pas créé, mais parce que ça coûte vraiment trop trop cher. J'ai pas vu où il était, le hall des congrès. Ou alors je peux pas encore le créer. J'ai l'éducation. Si je te demande tous les véhicules.
Est-ce que j'en ai un nouveau qui est apparu? Non, visiblement, je les ai tous. Donc, ok. Le dernier, c'est quoi? Oh. Ouais, ok, donc ça. Non, donc les décoratifs, on s'en fout. On va faire un tour rapide de tout ce qui peut être construit. Donc, niveau éducation, il n'y a rien de nouveau qui peut être construit. Niveau tourisme. Alors, j'ai vu que le Medium Stadium, il produisait masse pognon. Ça peut être sympa, peut-être d'en refaire un, mais ça coûte très cher en électricité. Ensuite, donc ici, donc il y a que l'Advanced Bank, évidemment que j'ai pas créé, mais j'ai pas les moyens. Après voilà, tout ce qui est cloning, tout ça, donc voilà, durable goods. Alors ici, il y a beaucoup de choses. Donc après, il y a les distilleries. Si je demandais à faire évoluer toutes les distilleries, il y en a beaucoup quand même. Mais parce que le rhum aussi, ça se vend très cher, mais aussi j'en consomme. Donc j'aimerais augmenter la production. Si je te demande de tout regarder, c'est 4000 d'artefacts aliens. Donc voilà, en gros, pour le moment, on est un peu coincé au niveau des ressources parce que bah, ça me demande, quasiment tout me demande des artefacts aliens. Et je suis trop juste en artefacts aliens. Ok, donc au niveau achat. Ok, donc le conférence hall. Ouais, donc ça c'est le conférence hall, mais ça je l'avais déjà. Et ça me bouffe des ressources que j'ai pas forcément la possibilité de. Donc au niveau économique, ben voilà, on retrouve un peu les mêmes choses. Au niveau des habitations, on n'a rien réellement de nouveau. Donc c'est ça, hein. Donc ce truc-là, la Residential Tower, c'est l'évolution de Residential Complex qu'on avait au début du jeu. Immigration, bon bah voilà, on a le Space Elevator en plus. Terraforming, on n'a rien de nouveau. Au niveau du storage, donc on a les nouveaux trucs qu'on a débloqués évidemment aujourd'hui. On a toujours ça, j'ai jamais. Enfin, j'ai pas encore essayé de savoir ce que c'était. Mais ça consomme de l'hélium 3 et l'hélium 3, je vais en faire commerce donc. Donc je sais pas. Entertainment. Donc ça, voilà, on en a fait le tour aussi. Niveau des fermes, voilà. Bon, bah, des tri, ça, enfin, des tri farms, ça, j'avais dit que j'en créerais plus, donc je vais en créer plus. On va peut-être passer là-dessus après. Ah oui, alors ça, je l'ai débloqué, mais je vous l'avais pas montré, donc c'était avec la régolithe. Water Extractor, ça permet d'extraire de l'eau apparemment du sous-sol, mais ça me consomme de l'hélium 3. Donc voilà, après voilà, il y a les vertical warehouse farm, mais pareil, ça me consomme de la des artefacts aliens, mais ça, si on a des problèmes de bouffe, c'est ça qu'il faut utiliser. Au niveau des ressources, là on a énormément de choses aussi. Donc, attendez que je regarde. Attendez, je comprends pas. Ce truc-là, ça me produit de l'uranium ou ça en consomme? Truc là apparemment non apparemment ça produit de l'uranium, ça, l'uranium enrichissement. Merde, j'aurais dû en créer ça. Eh ben attendez, est-ce que j'ai les moyens?
Ah, mais ça consomme de l'aluminium, donc on va attendre ça. Donc il y a ça éventuellement. Ah, c'est con, si je pouvais créer de l'uranium, j'ai pas fait attention, honnêtement. Par contre, ça me consomme de l'alu encore. Et ça, l'alu, ça, franchement, je peux pas vraiment me permettre pour le moment. Parce qu'à chaque fois que j'importe de l'aluminium, ça me coûte 1,5 million. Ça me coûte super cher. Après, voilà, il y a les ore zappeurs éventuellement qu'on peut encore créer, mais voilà. Bon. Donc, je pense qu'on va partir pour des tri-farms. Au niveau des technologies aliens, on a déjà fait le tour. Au niveau de l'énergie, pareil. Donc, ce serait peut-être plutôt ça. Ça consomme pas de ressources aliens. Donc, éventuellement, je vais faire la migration là-dessus assez rapidement, je pense. Faudra juste encore que j'importe de l'aluminium. Au niveau des routes, voilà, on a tout ça. Voilà. Sinon, on a goudronné l'intégralité, je pense, à peu près de notre. Ouais, non, on en est encore loin, mais ça avance. Là, nos routes, ça avance. Ça. Voilà, ça s'upgrade assez vite. Donc, ça, c'est toujours ça de prix. Bon, bah, tree farm. On va juste recréer rapidement des tree farms ensemble. Parce que je vous dis, la production d'arbres, c'est assez limite. Farm, 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 farming. Hop. Des tree farm. Attendez. Wow, ok, d'accord. Hop, ok. Donc. Jusque-là. Voilà, une dizaine de plus. Puis ici, il va falloir que je recoupe un petit peu la flotte. C'est cool qu'on puisse terraformer comme ça assez facilement. Par contre, le terrain. Par contre, dommage que la flotte en question là, on puisse la détruire, mais pas la recréer. Enfin, ou du moins peut-être maintenant. Après, peut-être qu'avec les ressources aliens, on va pouvoir faire du terraforming, enfin, bien plus de terraforming. Ok. On est bon. Donc là, voilà, j'en ai 10 de plus. Donc ça va être les. J'allais les chercher d'ailleurs. Alors. Bah tiens, toi, hop. Viens là. Hop, va chercher tes potes. Et vous allez me créer ça. D'accord, il y en a un, il s'est TP, c'est pas grave, tout va bien. Et on va en faire d'autres en attendant, hein.
Honnêtement, c'est dingue. Le jeu arrivé à un certain moment, il galère, mais vraiment, quoi. Ok, évidemment. Là, là, non plus. Oui, zut, j'ai oublié. Attendez, cancel. Voilà, hop. Hop, j'ai oublié. Ici, il y aura une route. Donc, j'écarte d'un. C'est moi où il y a une. Ça c'est bon. Non, c'est décalé, c'est décalé. Je vais faire les routes. Je vais faire les routes, on va mieux, on va mieux pouvoir voir. Ok, Rod. Dark machin, voilà. Ok. Ok, voilà. Déjà, on va pouvoir voir un petit peu plus clair. Oui, et puis évidemment, j'ai oublié, mais hop, on va voir aussi. Ces routes-là. Voilà. On va recréer. Donc, ces fermes-là. Non, ouais, ici, bloc. Hop. Non. Arrivé. Galère parfois, voilà. J'ai cliqué, il n'a pas accepté mon clic. C'est assez étrange. Ok. On va faire ça. Et ça. De toute façon, j'ai des problèmes de chômage, donc autant faire ça, hein. Ça va aussi réduire, ça va créer de l'emploi. Zut, j'ai redit mes ressources au lieu de cliquer, résultat. Bon, de toute façon, mes ressources là, j'ai pas forcément besoin d'avoir l'œil dessus. C'est pas trop mal là pour le moment, c'est bon. Allez, hop. Là, on a quand même une large zone en construction.
Voilà, déjà quand on aura construit ça, je pense que on sera un peu plus tranquille au niveau de la production d'arbres. Bon, au niveau de la construction de mes décharges, ouais, bon bah. Donc j'ai essayé, hein, quand on essaye de les détruire, en fait ben, le trash qu'il y avait encore en stock, en fait, eh ben, il revient en fait. Il est directement remis dans les ressources. Parce que moi j'avais cette idée ah, là-bas c'était de créer ces trucs-là, puis les détruire directement derrière, en me disant ouais les ressources qu'il y a dedans vont être détruites systématiquement. Non, 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 il rêvait pas. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Ça a été pensé, ça. Bon, bah j'ai déjà un nouveau site archéologique, donc ça c'est bien. Ensuite ici, bah, j'ai encore une usine qui est en train d'être créée. Donc ça me consomme masse ressources, évidemment. Et je me souviens plus, j'avais dit que ça me coûterait combien si j'upgradais tous mes. Ouais, c'est juste de l'alu que ça me coûte, mais enfin, juste de l'alu. Pour importer 100 000 d'aluminium, ça me coûtait très très cher. Mais en soi, ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible à faire là, vraiment prochainement, quoi. C'est vraiment tous mes solar panels. En diamant, je les upgrade en alien. D'accord, c'est en train de construire la route ici. Hop. Ah, c'est parce que j'aime bien avoir les ressources sur le, voilà, à vue. Parce qu'on sait jamais, mais sinon en soi, oui, j'ai pas forcément besoin des ressources. Alors, je pense que je vais vendre un peu de régolithe. Honnêtement, je peux me permettre. Puis la régolithe, voilà, hop. Donc on va juste vendre un petit peu de régolithe avant de se quitter. Mais voilà, en gros, voilà, vous avez l'évolution. Ah oui, d'accord, j'ai déjà tout vendu. Vous avez l'évolution de mon. De ma colonie. Je vendrais bien du pétrole, mais le problème c'est que ça va après me consommer des robots, et des robots, je sais que j'en avoir besoin plus tard. Donc pour le moment, les robots, ben non, je garde. Par contre, ah oui, donc oui, j'utilise de la clay pour de la poterie, mais aussi pour les briques. Les briques, je m'en sers pas, et éventuellement, je peux en vendre. Et je sais que ça se vend très bien, en plus la brique. Ouais, voilà, ça se vend plutôt bien. Allez, j'en vendrai un petit peu. Après le plastique, voilà. Bon. L'hélium, pour le moment, je m'en sers pas. Donc ça, pareil, je vends. Et le gold, ouais, le gold, c'est pareil. Ça, voilà, j'ai 10 millions de gold. Honnêtement, ça, je peux en vendre. C'est ma principale aussi source de revenus aussi, ça. Je vais essayer de monter à 10 millions et puis je vais essayer d'importer un peu plus d'aluminium. Ça me paraît compliqué pour atteindre les 10 millions.
Quoique, j'approche des 9 millions là. 9 millions. Ouais, mais non, après, c'est plus rentable. Hop, voilà. Un peu d'or également, de minerais. Ça, pareil. J'ai 2 millions de minerais, donc ça, je peux en vendre aussi. Ça augmente toujours, ça. Donc, hop, j'ai vendu un peu de trop, mais c'est pas grave. De la régolie, je peux encore en vendre. Hop, voilà. Du charbon, le charbon. Le problème, c'est que le charbon, ça va me consommer après du bois très rapidement. Et pour le moment, j'en ai besoin pour faire mes tri-farms. Donc voilà. Écoutez, on aurait recherché quelques technologies. On augmente les fabriques de, enfin voilà, les fermes, les arboretums, voilà, ça s'appelle comme ça. Et puis, bon, on essaye de gérer les déchets, mais le problème avec les déchets, c'est qu'apparemment ça bug. Ça, c'est en bug. Et ces trucs-là aussi, au bout d'un moment, ils arrêtent de produire, en fait. Donc, d'ailleurs, si je regarde. Hop, lui, là. En fait, vous voyez, quand on est dessus, il n'y a aucune barre de chargement. Alors, il dit qu'il consomme. Mais. On voit rien en barre de chargement. Donc pour moi, lui, il est en bug. Ouais, alors, je pouvais directement cliquer sur l'icône plutôt que. Donc d'après moi, ce truc-là, faut le détruire et le recréer à chaque fois, quoi. Ben voilà, ça c'est un détail. Sinon, ça c'est très bien pour se débarrasser des déchets, mais voilà, je vous dis, c'est temporaire, quoi. Parce qu'après, il se met en bug, il marche plus. Il marche qu'à la construction, en fait. Après, il s'arrête. Ce qui est un peu dommage. Mais ça, à mon avis, c'est un bug pareil qui va être corrigé. J'ai pas été voir sur le forum d'ailleurs le rapport de bug que j'ai posté concernant. Alors j'ai envoyé seulement en ce qui concerne le Medium Recycling Center. Mais après je suis sûr qu'on va avoir les recherches pour davantage. Juste, je voulais voir avant qu'on se quitte rapidement. Donc de toute façon, ce que je vais développer, c'est ça, hein, c'est le deep excavation. Après, ce sera la prochaine recherche que je fais. Donc ça, à la limite, je le ferai hors caméra. Enfin voilà, dès que j'ai 3000 d'aliens, là, voilà, je modifie ça. Qu'est-ce qu'on en a d'autre là? Donc ensuite. Ah oui, donc ça j'avais vu que c'était un nouveau truc, Research Converter. Ça permet de convertir des points de recherche en minerai. Bof. Ah par contre la Transcendante Academy, à mon avis, ça doit être pour. Ça doit être le nouveau stade pour l'éducation. Ça par contre. Je dis pas non. Alors ensuite on a ça, les RL, je sais pas ce que c'est. Ça doit être. Pouvoir en créer après, mais je sais pas quoi.
À mon avis, ce truc-là, c'est lié avec le l'athanium synthétis. Parce qu'on a cette ressource-là après aussi à rechercher. Et qui ne peut que se synthétiser. Et ça se synthétise encore une fois à partir de l'aluminium. Et du sucre. Mais là, le sucre. Voilà, je sais absolument pas. Après, il y a le handplast. Alors, ça, je sais que ça peut se vendre très cher aussi, le handplast. Je sais pas comment ça fonctionne ça, le handplast. Donc le handplast en fait c'est de la substance d'insectes, enfin c'est voilà, c'est une sorte de glu d'insectes en fait, mais bon voilà. Bon écoutez, sur ce, ben je vais rechercher un petit peu cette technologie, je vais essayer d'augmenter encore en. Mais l'idée, ce serait peut-être que j'augmente en pognon très, très, très fort et puis que j'achète 10 000 de d'artefacts aliens, comme ça on est tranquille pour évoluer, quoi. Ouais, d'accord, ils sont en train de me construire les routes, ça c'est cool. En train de me délimiter. En train de me délimiter les zones de construction, ça c'est chouette. Bon, bah écoutez, ça c'est cool. On va voir, hop. Voilà, ça stagne. Je suis de nouveau, enfin j'ai de nouvelles appro, enfin je suis, j'ai une cote à 59% de popularité. Et donc le gouvernement GT. Au niveau de l'économie, ça se porte plutôt bien. J'ai du chômage toujours, mais ça, voilà, évidemment là depuis qu'on joue un petit peu, ça s'est un petit peu équilibré évidemment. Bon, et ça, progressivement, ça va remonter, hein. Voilà. Mais écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et moi, je vais me faire ça. Allez, à bientôt!